deux, trois. Bah ouais, dans trois zones de temps. Allez. Il y en a deux. Hein. Là, je l'empêche de venir, il va s'abaisser en tirant un petit peu sur le kimono, je vais ramener ma jambe. D'accord ? Un petit tomber, ils accompagnent toujours. Eux, leur but, c'est pas de rester longtemps debout. Il y en a même, par exemple, qui vont venir s'asseoir. Voilà. Il n'est pas tombé, il s'est assis. Et ils attendent. Parce que leur travail à eux, il se fait surtout au sol. Je suis plus petite que lui, donc j'attrape ici au niveau du torse. Je soulève et je fauche les deux en même temps, je me jette en arrière. Prêt ? Ouais. Tout de suite, je reviens avec la jambe pour avoir... Parce qu'elle reste dans le cercle. Oh là là, tu dois partir en niveau de temps. Allez, on y a le fer. Il se tient. Je ne pas se dégager. Ouais, ça m'a posé sur ce que je aussi bien une clé de bras que un triangle
qu'un étranglement. Donc quand vous êtes pris en garde, toujours position haute. Te redresser. Voilà. D'accord ? Toujours comme ceci. Parce que moi, si je veux faire quelque chose, je suis obligée de venir la ramener vers moi. Ok ? Quand je la ramène vers moi, je ne suis plutôt au sol, elle va très bien pouvoir me faire pivoter. Donc, toujours avoir une garde et l'autre toujours. Quand vous êtes dans une garde, vous dressez. Ok ? Bon. Maintenant, je vais vous montrer comment sortir de la garde. Vous êtes dans une garde comme ceci. Toujours position haute. D'accord ? J'évite aussi d'aller mettre mes bras. Toujours bras pliés. Alors, pour sortir d'une garde, soit vous remontez, et là je sors de la garde. Soit vous faites ce qu'on fait déjà ici au cours, c'est que vous allez venir pousser et vous ici passer une jambe. Une fois que vous avez passé une jambe, vous avez déjà passé. Elle va resserrer, tu resserres. Là, elle a ce qu'on appelle une demi-garde, c'est-à-dire qu'elle a toujours une jambe dedans. Pour sortir de là dehors, vous allez faire monter, plier et je passe. D'accord ? Ouais. Je remonte. Soit vous vous levez, soit vous passez ici. Un. Et là, je fais du corps à corps. Hein. Monter, plier et je passe. Alors, il y a encore une autre façon, si elle ne vous a pas encore tout à fait en garde, c'est le passage de garde toréade, c'est-à-dire, on est ici, on feinte, on passe. Le problème de ça, c'est qu'ici, elle a une clé de cheville. D'accord ? Donc, quand vous faites un passage de garde toréade, il faut quasi plonger avec le genou au sol. Vous faites ça, et vous passez là le genou, parce que si vous passez la jambe, vous avez pris en clé de cheville. Je ramène, et là je vais commencer à travailler. Je prends la tête, je passe ma jambe, j'essaye, et là je travaille, je passe là, je passe, voilà. Hop, ici, j'ai préparé. J'ai plus qu'à relever le bras, verrouiller ma clé, et je serre. J'ai pas besoin de serrer, juste la verrouiller. Quand elle est bien verrouillée, c'est bon. On va recommencer. Salut. Ça va ? Oui. Vous allez vous redresser vers le haut, passer le bras et voilà. Voilà. Ça, c'est pas gagné d'avance. Je le sens. Je vais vous redresser, il faut passer le bras et tu tires la tête. J'ai compris hein, le principe, hein, mais. Elle va essayer de tasser en fait. Pour faire un étranglement, il faut toujours tasser, jamais tirer. Donc vous, pour sortir de l'étranglement, vous faites l'inverse, vous tirez. Là, je me relève. Voilà. Vous passez le bras. Une fois que vous avez passé le bras, en le pliant, vous passez la tête comme pour rire. Il suffit juste de passer le bras. Ici, j'attrape l'épaule. Je la monte. Je verrouille en tenant mon col et je descends le bras. Là. Comme ça. Ah oui. Je tiens le mien. Alors, ça sert à rien de faire ça. Souvent on fait ça. Ça sert à rien. Bien. C'est ramener et monter. Ah, ça fait. Je monte, je serre un petit peu pour verrouiller. Ne prenez pas comme ça parce que ça risque de lâcher. Prenez un fil. Je monte un petit peu pour verrouiller et je ramène. Normalement, tu sens bien mon col. D'accord ? Ça, c'est un verrouillage hein, de maintenir le col. C'est pour éviter qu'il puisse l'enlever. Vous allez tourner ici en passant dessus la tête, toujours très proche. Je tiens là et je suis partie dans cette jute. Ça va ? Tu l'as senti ou pas ? Ouais, ok, l'as senti. J'ai pas tout à fait compris, mais là. J'ai pas bien vu. Tu es là en prise. En fait, je démarre toujours d'une prise de basse. Ouais. Je suis en prise de basse. Je veux faire un judi. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire ça.
Oui, oui. Bon, on va se relever. Là, et comme ça, il y a bien de la distance, oui. Et t'en foutre le pas. Ah ouais. Ici, ça sert à rien. Ouais. Donc, eux, ils sont en prise de base. Ils maintiennent, ils verrouillent. Mm-hmm. D'accord. Et là, tu passes. Et toujours être collé. Collé le plus possible. Ouais. Là, tu passes la jambe et puis tu laisses. Avoir le moins d'espace possible entre... Comme ça, tu as tout juste le passé. Donc, je l'ai ici, dans ma garde, je la maintiens au niveau du coude, je verrouille. Je passe la tête et je suis partie. Tu me pousses. Là. Même chose, si j'essayais de te frapper, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu me repousses ici, en te tenant. Ça, c'est exactement la même chose, c'est que je viens. Ici, je viens verrouiller. Je tiens bien son coude. Là. Ouais. Tout simplement. Mmh. D'accord. Je l'oblige à me repousser pour qu'elle ait les bras tendus. Mmh. Et puis, je pivote. Je l'oblige à me repousser. Mmh. Comme ça, elle a les bras tendus. Je verrouille son coude pour qu'elle ne puisse pas le plier. Hop. Et là, hop, soit vous êtes anglais avec le tranchant du bras, vous serrez, soit vous prenez ici, vous avez la tête et vous attrapez votre bras. Ah ouais, la main. D'accord. Maintenant, quand vous l'avez ainsi, en étranglement, vous pouvez revenir sur un arm lock, donc un juji comme j'ai montré juste avant. Tout simplement, comment vous tenez ici le bras, vous verrouillez derrière son épaule. Je passe ma jambe et là. Ça va? Ouais. Je vais remontrer encore une fois. Ça va? Je suis là. Je verrouille. Je viens ici. Je verrouille en tenant son épaule. Je passe ma jambe. Voilà. Et là, tu as le tutu. Écrasé. Ça fait quelqu'un qui est élégant. Écrasé comme une patate souillée. Et là, tu passes. Ici, en dessous, tu attrapes le bras pour verrouiller. Tu passes la jambe en dessous. Et t'es parti en cumulé pour attraper la tête. Hein? C'est ton maximum. Et là, où est-ce qu'elle est la position de faiblesse? Ses jambes, ses pieds. Dans son pied. D'accord. Ici, il n'y a rien qui tient. Vous tournez. Vous tournez. Et vous sortez là. Toujours partir par une position de faiblesse. Ah, vous? Vous en faites ça parce que là... Si vous ne tenez pas votre bras avant, c'est foutu. Hein. À moins que vous ayez un moustique en face de vous et que vous ayez beaucoup de force. Parce que aller rechercher... Attends, tu dois décroiser normalement. Vas-y. Aller rechercher ça, vous ne saurez pas. C'est quand elle part que vous tenez contre vous. Voilà, vas-y, hop. Position de faiblesse, je retourne. Et là, je peux facilement passer la garde. Voilà.